être tué en Turquie. Maintenant, constamment, il passe sur... Juste, je rajoute, là aussi, il y a un Polonais, le premier ministre polonais, là, il est mort parce qu'il a critiqué les Ukrainiens. Merci beaucoup. Non, forcément, il le connaît. C'est un vrai Français. Il passe constamment sur RT au Mali, là-bas. Forcément, ils doivent le connaître. Premier. Le deuxième, elle s'appelle Anne-Laure Borel. Anne-Laure Borel, pour avoir critiqué, je dis bien critiqué, hein, même pas critiqué, sorti les révélations concernant la guerre dans la région, entre la Russie et l'Ukraine depuis 2014. Elle est blacklistée. Elle est blacklistée. Parce que beaucoup de personnes viennent disent que non, aux États-Unis, on a vu comment le boxeur Mohamed Ali, on a fait un procès. Mais vous oubliez de dire une chose qui est élémentaire, hein. Aux États-Unis, première des choses, les États-Unis, c'était le pays qui attaquait. On n'attaquait pas les États-Unis. Parce que, prendre cet exemple-là, c'est fallacieux. Snowden, pour ceux qui connaissent qui est Snowden, Snowden est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Il est en Russie. Il a fallu que la Russie lui donne la nationalité. Il est poursuivi jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis pour avoir mis les secrets d'État. Il y a l'autre, l'Assange. Il a été poursuivi et condamné aux États-Unis pour plus de 100 ans de prison. La seule chance qu'il a eue, c'est que l'Angleterre, le Royaume-Uni ne l'a pas extradé. Venez nous faire prendre ici les exemples qui ne valent pas la peine. Vous parlez de liberté d'expression. Le footballeur gay en France, parce qu'il n'a pas porté le brassard LGBT, on a fait un procès, on l'a chassé du PSG. L'année dernière où je suis passé, le joueur malien Camara de Monaco, parce qu'il n'a pas porté le brassard LGBT, on l'a sanctionné, là, il doit payer. Vous venez nous parler de liberté d'expression. Moi, j'écoute beaucoup de personnes là, liberté d'expression, le pays qui a attaqué. Il y a un journaliste malien, l'année dernière, 2023, oui, qui a fait un documentaire sur Wagner au Mali. Il avait fui. Il est passé à RFI. Je ne connais pas son nom forcément. Je dis, Belfi et Namassa le connaissent. Il est passé à France 24. Malik Konaté. Dis comment on le pousse. Malik Konaté. Il y a beaucoup de demandes. Merci. S'il vous plaît. Je vais chuter, Tania. Il ne va pas durer. Il a sorti un documentaire. Il a fui. Il est parti à France 24 réagir. Donc moi, j'écoute ça là. Il dit, Tshisekedi Fakoli là, c'est un francophile. Parce qu'il suffit de voir son pédigré. Ça, je vais m'arrêter. Il suffit de voir son pédigré ici, là, pas son... Dans les tigres, c'est... Oui, pas de pédigré. Les distinctions qu'il a reçues. En 2000, prix RFI Découverte Afrique. 2002, premier artiste d'or. Premier disque d'or pour France-Afrique. Et s'en passe. Tu te poses la question. Attends, mais Tshisekedi, il fait quel combat? Jusqu'à ce que c'est la France et le RFI. Je vous rappelle que constamment, il est sur RFI et France 24. Hein. Montrez-moi un artiste engagé africain, là, qui passe en France. Montrez-moi un... qui est passé sur une chaîne française. Venez nous raconter ici là que il est plus présent. Tshisekedi a-t-il déjà joué panafricain? Quel acte panafricain a-t-il posé? Parce que j'ai l'impression que, parce qu'on vient, on sort un peu ici là, on vient dire des choses, mais si on s'intéressait aux traces que ces soi-disant panafricains réveillés la dernière heure là, posaient, c'est qu'on n'a pas besoin de parler de lui. Tshisekedi est dans sa logique, il défend la France-Afrique et on a tout suivi. Quelle est la logique de l'AES? Là, on laisse combattre contre qui? Ils combattent contre l'impérialisme. Moi, on écoute Tshisekedi, il n'accuse pas l'impérialisme occidental. Il n'accuse pas les djihadistes qui sont armés par l'Occident. Il n'accuse personne. Il parle de liberté d'expression. Et dans quel pays liberté d'expression est sortie? Les médias occidentaux. Accordez-moi encore une seconde. Je vous rappelle ici là qu'en 2023, la France a mis embargo sur le Mali, sur l'AES. Autant pour moi, sur l'AES, concernant les visas contre les étudiants et les artistes. Tshisekedi Fakoli était où? Vu qu'il dit qu'il est un citoyen du monde pour apporter le soutien. Ouais, qui parle autant de IBK, quand les jeunes sont sortis, il était à Bamako. Pourquoi il n'a pas parlé? Ton analyse, Marcus, elle est brillante. Hein. Marcus, ton analyse est brillante. Tania, je vais faire monter Mossad à ma place. Ou bien il est sorti. Attendez. Je pose la question aux Maliens qui sont là. Marcus, reviens, ramène ta demande quand tu as le temps. J'ai dit,
quand les jeunes sont sortis au temps de IBK, où il y a eu le coup, il a parlé. Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a fait une sortie? Même quand il y a eu les tueries, là, il n'a pas parlé. Hein. Moi, je n'ai pas entendu. Et Tania, en ce moment-là, le Mali n'était plus en guerre. Tu vas arrêter ça quand même. Non, mais IBK, il y avait, au temps de IBK, il y avait. Attends. Le Mali est en guerre depuis 2012. IBK, c'était pas 2012, je suis désolé. IBK est venu en quelle année? En 2013. Oui. Donc, depuis 2012, le Mali est en guerre. Je vais monter le Mossad, il devait faire jouer. Je suis d'accord, depuis 2012, le Mali est en guerre. Donc, aujourd'hui, ça sort. Il n'a pas sorti une chanson pour l'armée, pour soutenir. Non, oui, je te dis, quand certains font sortir l'argument. Bon, vous pouvez quand même fermer vos micros maintenant. Bon, on va écouter Sissi. Comme tous ceux qui ont parlé tout à l'heure, là, c'était du camp de... Quand c'est ton beau de parler, là, on doit fermer nos micros. Il va parler. Après, moi, je vais parler. C'est mon tour, mais je le laisse parler. Namasa, j'aimerais qu'on fasse monter le Mossad, toi, qui doit nous faire jouer l'interview de Chicken Jack concernant le 20 ans. Le Mossad... Ok, Tito, tu peux ramener ta demande, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Ramène Mozart va monter pour nous faire écouter. Moi, j'ai giflé, si. Il a sauté les 230 milliards volés à Rodiné. Il a mis ça dans la saison là. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Si, vas-y, tu peux parler, si, on t'écoute. Merci. Mozart, viens. Ton mot, Diaz. Sauvage, c'est terrorisme musical. Voilà les sauvages comme ça là. C'est lui, non? C'est ton boss ici là. C'est lui, non? Tu vas nous énerver. Moi je vais le bloquer. Je voulais juste jouer la partie là dans mon temps de parole. Tania. Tikenja est au Mali depuis plus de 20 ans. Et il a dit qu'il a décidé de s'installer là-bas, il n'allait plus retourner en Côte d'Ivoire. Il fait des va-et-vient, mais il s'est installé au Mali. Tikenja avait eu un problème avec des organisateurs de spectacles au Mali. Belfie est là et pourra confirmer. Tout le peuple malien a fait bloc derrière lui parce que on voulait lui arracher ses biens. Il a même fait une vidéo où il s'est exprimé un peu en bambara, tout. Je me rappelle très bien. Il avait gagné, on l'avait laissé en paix. Et même quand il veut aller à Odjene, il passe par derrière là, à la Tienfizo, et puis il rentre à Odjene pour aller voir sa famille. Il a fait ça pendant la crise. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, est-ce que Namasa, ou bien Tania, qui critique, par exemple, un pouvoir, ça veut dire qu'il n'aime pas ce pouvoir. Voilà Tania. Tania critique. Tania parle de mandat constitutionnel, troisième mandat. Mais est-ce que ça veut dire que Tania n'aime pas la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Maintenant, nulle part dans la chanson. Prends tes exemples ailleurs. Laisse le nom de Tania là. Prends tes exemples ailleurs, s'il te plaît. D'accord, mon beau. Je ne suis pas ton beau, hein. Arrête. Donc, d'accord, mon beau, d'accord. Mon beau, ta belle veut ton numéro, elle veut te saluer. Donc, Tania, nulle part dans la chanson, Tikenja ne parle du président Assimi Goïta, Tikenja ne parle du président Ibrahim Traoré, Tikenja ne parle. Et la LES, c'est quoi alors? C'est quoi la LES? Laissez-moi finir, madame. La LES, c'est quoi? C'est quoi la LES? Non, mais vous fatiguez à la fin. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. La LES, c'est quoi? La LES, c'est quoi? C'est quoi la LES? C'est représenté par qui? Qui est le président de la LES? Qui est le président de la Confédération de la LES? On me muselle et on m'empêche de parler. On va te museler même bien. On m'empêche de parler. Je vais le rattraper après, s'il te plaît. On m'empêche de m'exprimer. Je suis muselé. Je suis baïonné. On m'empêche de parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Parle.
On va même te ligoter. Je suis ligoté, je suis baïonné. On m'empêche de parler. Ok. Laisse-le. Merci. On l'écoute. Laisse-le dire ses bêtises et puis on va le rattraper après. Tania, j'ai fait exprès pour jouer un extrait de son single à polémique. Mais Tania, qui se sent mauvais se mouche. Mais pourquoi les Nigériens ne viennent pas attaquer Tania, ne viennent pas attaquer Tiganya depuis la sortie de ce son-là? Parce que je n'ai pas encore vu un Nigérien sortir. Moi, je vois plutôt Mali, Burkina. Ah, c'est de vous qui parle? Mais il n'a pas dit le nom d'un président. AES, ça, c'est trois pays, Niger, Burkina, Mali. Est-ce qu'il a nommé Assimi? La preuve, Tiganya ne sera même pas arrêté au Mali parce qu'il n'a pas nommé Assimi Goïta. Parce qu'Assimi Goïta n'a jamais envoyé quelqu'un au front. Assimi Goïta n'a jamais envoyé un Malien au front. Donc pourquoi ils vont l'arrêter? Ils ne vont même pas l'arrêter. Parce qu'il n'a pas nommé Assimi. Il n'a pas diffamé Assimi. Assimi va dire, mais il n'a pas dit mon nom. Là, il ne parlait pas d'Assimi. Là, il parlait de départ et de commande en drone. Il ne parlait pas d'Assimi. Non, je viens, Tania. Je crois que tu dois changer tes écouteurs. Laissez-le. Il faut changer tes écouteurs. Laissez-moi parler. J'ai fait exprès pour jouer l'extrait où il parle de l'AES. Il n'a pas parlé d'Assimi Goïta, il n'a pas parlé d'Ibrahim Traoré, il n'a pas parlé de Tiani. Donc, qui se sent mauvais se mouche. Si Namaza rentre dans tous ces états, ah, c'est que son président qui envoie les gens au front. Monsieur, je vais le récupérer. Parce que je suis allé vérifier. Depuis qu'Assimi Goïta est au pouvoir, Assimi Goïta n'a jamais envoyé quelqu'un au front. Non, j'ai pas vu. Après, je suis pas fiché aller au Niger. J'ai regardé Tiani, il n'a jamais envoyé quelqu'un au front. Et puis, j'arrive au Burkina. Tiens, j'arrive au Burkina, je regarde, je tourne, je passe, et puis je dis, ah, ok. Tania, s'il te plaît, fais monter Diaspora veut monter, je tourne, et puis je tombe pas à blesser Ouedraogo. Je regarde qui il était, ancien ministre des Affaires étrangères. Je vois, il est entré, Tania. Et puis je regarde, on dit, il était envoyé au front. Je dis, ah, donc c'est du Burkina Tiganja Palais. Mais tiens, ah, d'accord. Donc, Tiganja parle du Burkina. Parce que Tiani n'a pas envoyé un Nigérien au front, Assimi Goïta n'a pas envoyé un Malien au front, c'est Ibé qui envoie les gens au front et en prison. Donc c'est de lui qu'on parle. Il parle du Malien du Burkina, arrête tes conneries là. Non, mais Assimi Goïta n'a jamais envoyé. Laissez-moi parler. Je suis muselé ici, on m'empêche de parler. Tiganja avait raison. Les représentants du Mali et du Burkina m'empêchent de parler. Laisse-le terminer. Si, continue, s'il te plaît. Dis pour toi qui termine, s'il te plaît. Non, je ne peux pas terminer, je viens de commencer. Vas-y, parle et termine. Il ne faut pas durer. Non, mais attends, Marcus a parlé si tu ne l'as pas arrêté. Donc, Tania, est-ce que dans mon temps de parole... Moi, je ne t'ai pas arrêté. Moi, je dis Tania, de ne pas t'arrêter. Tania, une doléance, Tania, pour les 1200 personnes sur le panel. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de jouer l'extrait, s'il te plaît? L'extrait. L'extrait qui parle. En 30 secondes, Tania, dans mon temps de parole. Fais jouer. Elle accepte. Non, fais jouer. Fais jouer, on t'écoute. Fais jouer. Bon, les 1200 personnes